pas la taille. Allô. Vous pouvez venir? Et de son père arrêtez le
Thank you.
là. Mais pas jamais 5 ans. Mais à vivre quand on presse. Yon petit garçon, non pas ton prince. Cap marché, acheter crédit. Pas contre côté le travail. Yon pas contre côté le retrait. À l'attaque. Tout le monde rêve-t-il le hasard. Parce qu'elle va jamais bien 5 ans. Qu'elle toujours bien amusée. Chaque vendredi sous les étoiles, la mer dansait, tcha tcha tcha, tcha 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 tcha. Tout un bac après du matin, les papilles dollars à la traque. Tout le monde les tirait. Thank you.
Directement avec les propos du serment sens. D'abord, quelques mots de notre ministre de la Culture et de la Communication avant de passer la parole au Premier ministre, le Dr Ariel Henry. Nous invitons Madame Émilie Prophète-Pilzé à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre et Dr Ariel Henry, chers collègues ministres et secrétaires d'État, directeurs de cabinet, secrétaires généraux, magistrats, tous, toutes, grands commis d'État, juges, tous et toutes, chers évidemment. La pluie n'était pas invitée, mais elle est arrivée, nous allons vivre avec. Mais j'ai la charge, au nom de mes collègues, au nom de vous tous, de faire des vœux au Premier ministre, le Dr Ariel Henry. La pluie, évidemment, contrarie les longs discours, puisqu'il faut que nous ayons tout dit avant qu'elle ne se mette sérieusement à tomber. Donc, très très joyeuse fête à vous, Premier ministre, et... En particulier, je voulais vous dire au nom de mes collègues que nous vous considérons avec raison, nous savons que nous avons raison, comme une figure de la transcendance. Vous n'avez jamais un mot plus haut que l'autre, vous ne répondez pas aux provocations petites ou grandes, vous êtes là, vous êtes serein, vous êtes un guide, vous êtes un ami, vous êtes un premier ministre, et nous vous remercions d'être cette personne-là, qui soigne, qui écoute, qui entend, qui comprend, qui est serein d'être là pour nous et pour la République. Merci infiniment, joyeuse fête à vous. Merci de transmettre nos meilleurs voeux également à votre famille. Nous sommes heureux de travailler avec vous et cette année encore, nous vous renouvelons notre loyauté, notre amitié, notre admiration. Merci beaucoup, joyeuse fête. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs de l'HCT, Mesdames, Messieurs du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs généraux, cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs du haut état-major de la police et du haut état-major de l'armée, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, j'ai choisi de vous accueillir en ce lundi 18 décembre 2023, exactement à 13 jours de la nouvelle année, dans les jardins de la villa d'accueil en pleine rénovation, qui, jusqu'au 12 janvier 2010, logeait les bureaux de la primature. Cela fera bientôt 14 ans. 14 ans que plusieurs institutions publiques, et pas les moindres, sont épargnées dans des espaces inappropriés, abritant dans l'exiguïté et la promiscuité leur personnel, obligé de suivre un régime de rotation avec un effectif réduit pour exécuter leurs tâches quotidiennes. La primature n'en est nullement exempte.
La rénovation accélérée de ce site, important dans le cadre de la gouvernance de l'État, constitue un message sans équivoque que nous voulons transmettre aux usagers de la fonction publique, ainsi qu'aux serviteurs de l'État. 2024 sera une année de nouvelles constructions et de réhabilitation de bâtiments publics affectés tant par le tremblement de terre de 2010 que par celui du 14 août 2021. J'ai instruit le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec les fonds propres du FNU, de construire 20 nouveaux établissements scolaires dans l'aire métropolitaine, visant à abriter des lycées et des écoles fondamentales. L'État doit être majestueux. L'État doit être imposant. Il faut vendre une autre image du pays. Nous ne pouvons pas être misérabilistes. Nous devons voir grand pour notre pays. Ce n'est pas normal qu'après 13 ans, on va dire 14 ans, puisque ce sera dans au moins d'un mois, 14 ans, que notre personnel soit dispersé dans des maisons ou de petites pièces de maisons, en majeure partie privée, totalement inadéquate, non conçue pour loger des institutions publiques pourvoyeuses de services. Au cours de l'année 2024, nous allons engager le processus pour reloger dignement le ministère des Affaires étrangères et des Cultes et doter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'un immeuble susceptible d'accueillir l'ensemble des différentes directions et services. À l'instar de l'école hôtelière qui vient d'avoir ses propres locaux pour accueillir de la dignité ses nombreux étudiants, il en sera de même pour plusieurs de nos institutions aujourd'hui mal logées. Au cours du mois de janvier 2024, tous les services de la primature recommencent à fonctionner ici, dans ce beau bâtiment aménagé à ce effet. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de l'année 2023. Une année marquée par des défis sans précédent, tant sur le plan national que mondial. En ces temps difficiles, alors que nous avons été confrontés à des défis inattendus et parfois déconcertants, je tiens à adresser à vous tous ici présents, fonctionnaires répartis au niveau de l'administration publique, mes félicitations pour le travail que vous accomplissez au service de la communauté, au service de la nation. Tout au long de l'année qui se termine, vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire, travaillant sans relâche pour surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Votre engagement indéfectible et vos efforts inlassables ne peuvent nullement être passés inaperçus. Malgré les temps difficiles, vous avez maintenu le cap. Et c'est grâce à vos efforts que nous avons pu continuer à avancer dans des circonstances parfois épouvantes. En tant que fonctionnaire dévoué des organismes publics, vous avez non seulement relevé les défis quotidiens liés à la conjoncture, mais vous avez également fait preuve d'un courage et d'un engagement qui méritent d'être soulignés. L'année 2024 ouvre de nouveaux horizons à explorer. Nous serons certainement confrontés à des obstacles importants.
mais nous devons les considérer comme des opportunités de transformation positive. Nous nous engageons à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de notre administration, à améliorer l'efficacité des services et à créer un environnement propice à la croissance économique et au bien-être de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Il faut que le peuple haïtien retrouve la confiance dans les institutions publiques. Il importe que vous tous ici présents, ainsi que toutes celles et tous ceux qui travaillent sous votre direction, développent un esprit de service à nos concitoyens. C'est pour eux que nous travaillons. Ils sont nos patrons et nous devons les servir comme tels. Un tel état d'esprit doit nous animer à chaque fois que nous avons affaire à un contribuable. Mesdames, Messieurs les ministres, directeurs généraux, secrétaires généraux, coordinateurs généraux, fonctionnaires et autres, les défis auxquels nous faisons face peuvent paraître intimidants. Je vous encourage à persévérer dans vos tâches, sachant que votre travail a un impact significatif sur la vie de vos collaborateurs. Nous sommes confrontés à des défis, certes, mais je suis convaincu que votre esprit d'équipe permettra de bâtir un avenir plus prospère pour notre pays, pour notre peuple. Vous devez garder à l'esprit que chaque action que vous entreprendrez contribuera à forger le chemin vers une Haïti plus forte et plus juste. Votre rôle en tant qu'éclaireur de l'administration est essentiel. Et je suis conscient qu'ensemble, nous pouvons réaliser des avancées significatives. Mesdames, Messieurs, les grands commis d'État et fonctionnaires publics, vous êtes les artisans du progrès, les gardiens des intérêts de la population. Et il est de votre devoir de répondre à ces appels avec conviction et empressement. Nos concitoyens attendent de vous un bon fonctionnement de l'appareil administratif et pour garantir la prestation des services de qualité que vous lui offrez. C'est un devoir sacré que nous devons honorer avec dignité et un esprit de désintéressement. Aujourd'hui, je vous invite, grands commis et fonctionnaires, à faire preuve d'un engagement renouvelé envers l'excellence et l'intégrité dans l'exercice de vos fonctions et de servir de modèle pour vos subordonnés. C'est à travers vos actions que vous construisez le pont entre le gouvernement et le peuple que vous servez et qui est en attente d'être servi. Cela implique un engagement total envers la responsabilité, la probité et le respect des droits de chaque citoyen. Soyez à l'écoute des besoins de la population et soyez toujours disposés et prêts à répondre à ses attentes légitime. Agrandir votre étendard de professionnalisme et de patriotisme. C'est seulement dans cet esprit que nous pourrons bâtir une administration publique solide, transparente et orientée vers le service. Je veux profiter de cette occasion pour signaler à votre attention un point important. Capital même pour mon administration. En tant que Premier ministre, je suis conscient de la responsabilité qui nous incombe à tous
en tant que gardien des ressources publiques de notre nation. Donc, il est de notre devoir sacré de veiller à ce que l'argent de l'État, qui provient des impôts payés par nos concitoyens, soit utilisé de manière responsable, transparente et efficace pour le bien de tous. Je veux croire que vous avez tous fait votre déclaration d'impôt et qu'en tant que comptable et meunier public, vous êtes prêt chaque jour à rendre compte manifestement de votre gestion. Nous sommes, en effet, témoins des besoins criants de nos frères et sœurs en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure et d'autres services publics essentiels. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui en lançant un appel sincère à l'intégrité. Mes chers collaborateurs, mes concitoyens et mes concitoyennes, en cette période de célébration, prenons le temps de réfléchir aux réalisations collectives et individuelles ainsi qu'aux manquements. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement envers le peuple et de chercher constamment des moyens d'améliorer nos services pour le bien-être de la population. Mes chers compatriotes, alors que nous nous apprêtons à accueillir la nouvelle année, je tiens à adresser à chacun de vous mes vœux les plus chaleureux. Puissiez-vous trouver le courage nécessaire pour relever les défis qui pourraient se présenter et être animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Que cette nouvelle année soit synonyme de progrès, de solidarité et de succès pour notre pays. Ensemble, travaillons main dans la main pour bâtir un avenir meilleur pour nos frères et sœurs. Merci encore pour votre esprit de service. Puisse ces moments de joie et de repos vous apporter le réconfort nécessaire pour entamer la nouvelle année avec énergie et détermination. Je vous adresse mes meilleurs vœux de succès continu dans vos fonctions. Je veux profiter en ce moment de convivialité pour vous annoncer que l'année 2024 sera l'année de la mémoire. Il est bon, ce en tout temps, de célébrer la mémoire en Haïti et de mettre en évidence les mécanismes sociaux, politiques et religieux qui ont permis à un peuple jadis déraciné, à partir de luttes fondatrices, portées et légitimées par des survivances mémorielles. Nous avons besoin de plus de structures de défense et de valorisation de la mémoire, comme des musées, des plans de réhabilitation et des institutions de recherche et de communication, entre autres. Mais notre imaginaire et notre attachement à notre identité de peuple permettent aussi et surtout de célébrer et de protéger notre mémoire, laisser un grand héritage aux générations futures. Pour le gouvernement que je dirige, il ne saurait avoir de peuple digne sans mémoire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2024, année de la mémoire.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.